tous. Aujourd'hui, une petite présentation de livres. Oui, je sais, je vous ai dit que j'étais une grande fan des mandalas, mais grâce à Chris Color, je me suis réconciliée avec eux et surtout grâce à ce livre. C'est un livre que j'ai reçu en cadeau lors d'un concours que Chris Color a fait sur sa chaîne. Tous les dimanches, elle fait une vidéo et vous avez des concours pour le coloriage. Et comme j'adore Chris, parce que c'est une personne super adorable, super généreuse, je regarde toujours ses vidéos. Et là, oh, j'étais super contente parce que j'ai gagné. Et franchement, je suis vraiment pas déçue parce que c'est un livre, mais juste magnifique. Moi, j'étais vraiment pas fanatique des mandalas. Et là, j'en ai testé un hier. Et franchement, la qualité du papier et le type de mandala que vous avez dedans, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, un grand merci à toi, Chris. Donc voilà, mais c'était un livre, je pense que ça doit être le nom de la collection, c'est Coloria. Je ne sais pas du tout combien il y en a dedans, mais il y en a un bon paquet. Mais alors, ce qu'il faut noter en premier, c'est vraiment la qualité du papier. Donc bon, au début, vous avez un petit mot explicatif, mais un papier, une tuerie atomique, j'ai envie de vous dire. Là, ces temps-ci, comme il fait trop chaud, j'ai beaucoup de mal avec mes Prismacolor parce qu'ils souffrent tellement de la chaleur que la mine s'abîme. Donc je dessine pendant l'été souvent au Twin Marker. Et selon certains papiers, le Twin Marker a tendance à bavouiller. Celui-ci, c'est nickel. Le Twin Marker ne marque pas. Les stylos gel glissent tout seuls dessus. Donc c'est vraiment un super livre. Donc comme ils disent que c'est quand même du type papier artiste, 160 grammes par mètre carré. Franchement, ils disent que les feutres peuvent couler, mais moi j'ai eu aucun souci. Vous voyez, comme ils disent, celui-là ça peut servir de buvard, vous la mettez sous votre feuille. Moi j'utilise des papiers canson, ça me va mieux, mais franchement, c'est topissime. Donc voilà, c'est une série de mandalas qui viennent en feuille détachable, enfin en spirale. Donc c'est hyper pratique. Vous n'avez pas la page qui est super longue derrière, vous la mettez en dessous, vous pouvez glisser une feuille en dessous sans problème. Et franchement, ben, des mandalas super jolis. Vous en avez vraiment toutes sortes. Et j'ai commencé mon premier. Bon, je vais vous montrer mon encours. Après, si j'aime pas trop. Mais voilà. J'ai commencé. Voilà, on ne voit pas bien. On ne voit pas les reflets. Vous voyez, c'est fait au stylo gel pailleté et au twin marker. Donc, vous voyez, bon, les twin markers, bien sûr, hein, automatiquement, ça dépasse. Mais avec la feuille en dessous, il n'y a pas de souci. Et franchement, c'est super agréable. Donc là, je l'ai presque fini, il ne me manque pas grand-chose. Et je vais tester mes gélatos pour faire le fond. On va voir ce que ça donne. Tant que le Twin Marker, le stylo gel, il n'y a eu aucun souci. Je pense que le gélato, ça va glisser tout seul aussi. Donc voilà, vous en avez de toutes sortes. Il y a vraiment de quoi faire parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus simples. Mais vous pouvez jouer sur les dégradés, les effets de texture. Franchement, il y a... celui-ci, bon, qui est quand même un peu plus complexe avec les hiboux, mais vous pouvez faire vraiment de tout, utiliser vraiment tout le matériel que vous voulez. Là, il n'y a aucune limite en fait, c'est ça que j'aime beaucoup. Vous avez de tout style, simple, plus compliqué. Il y a vraiment pour tous les goûts, je pense, dans ce livre. Et non, c'est vrai que je pense que ça va vraiment me réconcilier avec les mandalas. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas forcément des fois envie, surtout avec la chaleur qu'il fait, de faire des dessins hyper compliqués, d'essayer de faire des dégradés. Là, moi, j'ai vraiment trop chaud pour faire des coloriages un peu plus poussés là pendant cette semaine de canicule. Donc là, c'est vraiment un stylo gel et tout le marqueur pour m'essayer mes crayons un petit peu au repos et pas les bousiller complètement. Et c'est vraiment le livre idéal. Donc voilà, ben, je tenais à vous le présenter. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour vous montrer page par page, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais un gros bisou à tous, ciao. Thank you.
Thank you.